La Croix-Rouge du Tchad, en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge, a mis en place le projet de sécurité routière, un projet qui couvre cinq régions du pays. Les points focaux du dit projet étaient conviés à une rencontre. Les précisions avec Amat Ngarasta. Après 6 ans d'exécution du projet sécurité routière mis en place par la Croix-Rouge du Tchad, en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge, l'heure est à l'évaluation. C'est dans cette optique que les points focaux régionaux et départementaux de la zone d'intervention du projet sont conviés à la rencontre d'échanges sur les avancées et les difficultés liées à la mise en œuvre du projet. Dès l'avis du chef du bureau adjoint du Comité international de la Croix-Rouge du Tchad, le travail abattu par les points focaux est à saluer et consiste à porter secours aux accidentés de la route, si sauver les vies humaines. Il annonce par la même occasion que la CICR focalisera ses actions pour la formation de secours de base. Le trésorier général de la Croix-Rouge du Tchad, Béchir Ali Hagar, situe les objectifs du projet. Réduire les fréquences des accidents sur nos routes par un changement de comportement des usagers de la route. Diminuer les risques des accidents de la route par vos gestes de premier secours. Faire l'ancrage de la société nationale dans tous les secteurs. Béchir Ali Hagar exhorte les participants à débattre sérieusement pour apporter leurs contributions et suggestions pour l'ancrage du projet.